Voici le guide complet des défis de la semaine 5 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'utiliser un aspergeur de nitro dans un véhicule. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc en dessous de Nitrodrome. Et à cet emplacement là, vous avez un personnage justement qui va vous vendre de l'aspergeur de nitro contre des lingots. C'est ce personnage là et il vous vendra de l'aspergeur contre 150 lingots d'or. Donc vous lui en achetez un. Vous lui en achetez plusieurs, peu importe. C'est des stacks de 3. Donc si vous en achetez un, vous en avez 3 directement. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de l'utiliser dans un véhicule. Donc pour ce faire, vous rentrez dans le véhicule. Ensuite, vous passez en mode passager. Vous changez de place. Hop. Et là, vous utilisez l'aspergeur. Bam. Et pour terminer le défi, vous allez devoir utiliser 3 aspergeurs de nitro dans un véhicule pour débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en étant à bord d'un véhicule. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver un véhicule et ensuite de trouver une tourelle mitrailleuse ou alors une tourelle à obus. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. Vous pouvez infliger des dégâts contre des bots ou contre des vrais joueurs. Et pour terminer le défi, vous allez devoir infliger un total de 200 de dégâts en étant à bord d'un véhicule. Vous pouvez aussi, bien entendu, rouler dessus. Mais sinon, moi, je vous conseille d'utiliser les armes qui sont directement installables sur les véhicules, comme ça vous allez pouvoir faire des dégâts plus rapidement. Et dès que vous aurez infligé un total de 200 de dégâts aux adversaires, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de faire une émote en étant accroché avec un canon accroché. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver le canon accroché. Donc c'est cette arme là que vous allez pouvoir trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Alors il n'y a pas de personnage ou je n'ai pas d'autres astuces pour le trouver, donc il va falloir vraiment avoir de la chance pour le trouver parce que j'ai quand même galéré à le trouver. Donc si vous avez une astuce pour le trouver, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors ensuite, avec ce canon accroché, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous accrocher quelque part. Alors la seule chose sur laquelle j'ai réussi à m'accrocher, c'est un véhicule. Peut-être qu'on peut s'accrocher à autre chose, mais j'ai pas trouvé quoi. Donc là, regardez, si maintenant vous visez un véhicule, vous allez pouvoir vous accrocher au véhicule et pendant que vous êtes accroché, ce que vous allez devoir faire, c'est faire une émote. Vous faites n'importe quelle émote, tant que vous êtes accroché à un véhicule, normalement ça fonctionnera. Si maintenant ça ne fonctionne pas en étant accroché comme ceci, il faudra que quelqu'un avance avec le véhicule et pendant qu'il avance et qu'il est en train de vous traîner derrière lui, vous allez devoir faire une émote parce que vous allez vous déplacer tout en réalisant une émote et en étant accroché au véhicule. Dès que vous aurez fait ça, là normalement vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des armes de joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir tuer des adversaires et ensuite vous allez devoir récupérer leurs armes. Donc ça fonctionne aussi contre des bots. Mais voilà, pour terminer le défi, vous allez devoir éliminer des adversaires et récupérer 10 armes que les adversaires vont laisser tomber au sol. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs avec une arme de niveau épique ou supérieur. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay à côté du Mont Blanc. À cet emplacement là, vous allez avoir un personnage qui va justement vous vendre une arme de niveau épique. Donc regardez, c'est ce personnage. Il va vous vendre l'arme pour 300 lingots d'or. Donc vous lui achetez. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires avec cette arme. Et dès que vous aurez infligé un total de 500 de dégâts aux adversaires, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.